l'idée de l'invention, de la création, voilà, de l'imagination. C'est ça qui guide tout, qui mène le spectacle et le personnage central qui est Espice, qu'on voit qu'au prologue, mais finalement qui est l'inventeur de la comédie et qui dit voilà, la comédie c'est drôle mais c'est méchant. Ce personnage dort dans un théâtre et réveillé par un groupe d'amateurs de musique, voilà, qui vient assister à un spectacle nouveau dont on a parlé, et puis il découvre ce Thespis dormant, et Thespis qui est complètement bourré au départ, enfin qui a bu énormément, mais qui dit que voilà, dans le vin il trouve son inspiration, dit voilà, vous m'avez réveillé, je vais vous faire une comédie, mais méfiez-vous, ça va forcément se retourner un moment contre vous. De sa gravité par un visible stratagème dirigea d'une épouse qui l'aime la jalousie et la fierté. Je veux avec tes fils en retracer l'histoire, la grâce en gardant encore la célèbre mémoire. L'opéra en France, c'est le genre le plus spectaculaire dans la manifestation culturelle, c'est-à-dire de mélanger la déclamation, le chant, la danse, le plaisir de la composition, le raffinement orchestral, pour une forme finalement très imposante, très dramatique, quelquefois très spectaculaire. À côté de ça, il y a un genre plus léger qui est la comédie-ballet ou l'opéra à entrée, par exemple. Donc voilà à peu près la situation à l'époque où Rameau a l'idée de composer Platée.